Je m'appelle Fayou Félissa, j'habite à Saint-Moyeur, j'ai 19 ans, je fais la classe de première. D'accord. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai un père et deux sœurs. D'accord. Okay. Ouais. Très bien. Autre chose? Et une petite fille. Une petite fille qui s'appelle oui. Comment? Madeleine de la Ringa. Elle a quel âge? Un an et demi. Un an et demi. Okay. Et qu'est-ce que tu veux? T'as une idée de métier? Oui, je veux devenir une cuisinière. Cuisinière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir cuisinière? Pour bosser. Travailler dur. D'accord. Et c'est quoi les études? Il y a des études à faire de particulier? Il faut aller jusqu'à quelle classe? Jusqu'à au moins la bac. Jusqu'au bac? Oui. D'accord. Pour avoir plus de diplômes. Oui. Oui. Et après? Après faire des formations. D'accord. Et combien de temps dure la formation, tu sais? 2 ans, 3 ans. D'accord. Ouais. Il y en a autour de toi là des formations de cuisinière ou il faut aller loin? Il faut aller à Dakar par exemple? Oui, il faut aller à Dakar ou bien à Mour. Ah oui, oui. D'accord. Okay. Donc c'est difficile quoi? Trop. Oui. Non, pas trop. Tu vas y arriver. Bon, et c'est quoi ton plat, le plat que tu préfères cuisiner? J'aime cuisiner le chéouguet. Ouais. Il y a ça, le chou. C'est quoi? Les plats français. Ah, les plats français. Ouais. Comme quoi? Comme poulet frit, comme. Et loin. Ouais. Les poulets frites comme loin, d'accord. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que tu trouves bien dans ta vie de tous les jours et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie de tous les jours? Moi, j'aime aller étudier, lire, c'est ma passion, j'aime bien lire. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas être seule. Je veux toujours entourer de ma famille, c'est parler. D'accord. Ouais. J'aime bien ça. D'accord. Et qu'on me donne des conseils. Ah, d'accord. Et... C'est bien. C'est d'accord. Okay. Et quand tu ne vas pas à l'école, quand c'est les vacances, tu vas où? Tu fais quoi? Je reste à la maison. Ouais. Avec des mamans. D'accord. Et en même temps, faire quelque chose. Des petits boulots comme ça. Attends, recommence. Tu m'as entendu? J'ai dit. Si je ne fais rien à la maison, oui. Je vais aider maman à la boutique. Oui, d'accord. Oui. Okay. Enfin, c'est rare que tu fasses rien à la maison quand même, ça dure. Oui. Parce que si je ne vais pas à l'école, je ferai la cuisine. Oui. Parce que j'aime bien la cuisine. Ouais. La cuisine. D'accord. Oui. Okay. Et admettons, qu'est-ce que tu voudrais être dans 10 ans? Chef cuisinière. Chef cuisinière. Oui. Dans un restaurant? Oui. Ouais. Chef cuisinier, c'est-à-dire que tu aurais des gens sous toi. Oui. D'accord. Et au Sénégal? Oui, au Sénégal, ou bien ailleurs. Ou bien ailleurs. Oui. Tu aimerais voir ailleurs un peu comment c'est? Oui, je voudrais découvrir le monde. Tu vas découvrir le monde. Oui, j'aimerais. D'accord. Et à la télé, tu regardes des fois des émissions sur oui. Le monde ou pas? Non? Oui, parfois. Ouais? Oui. Il y a une chaîne là-dessus ou? AB1. Comment? AB1. D'accord. AB1? Oui. D'accord. Ils te montrent des reportages. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Et sinon, tu rates beaucoup la télé? Hmm? Est-ce que tu regardes beaucoup la télé? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Les week-ends? Ah, les week-ends. Je parle bonheur. D'accord. Ton émission préférée ou ta série préférée à la télé? Ah, c'est Mars, les gars, des fois. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Et ensuite, est-ce que tu aimes beaucoup t'habiller? Parce que moi, j'étais étonnée de voir que tout le monde se change 3 fois par jour. Non. Toi, c'est pas trop ton truc? Non, c'est pas mon truc. Si je ne voulais pas, je ne voulais nulle part. C'est pas. J'ai pas besoin de m'habiller, tout ça. D'accord, ok. Et... D'accord. Et est-ce que tu sais nager? Non. Non. Je ne sais pas nager. D'accord. Pas trop. Pas trop. Oui. Est-ce que tu aimes l'eau? J'aime bien. T'aimes bien, allez? Oui, j'aime bien.
Tu vas dans les boulons des fois? Oui, parfois. D'accord. Tu veux dire quelque chose de particulier, toi? Ce que je veux dans la vie, c'est réussir et aider ma mère. D'accord. Réussir et aider ta mère. Oui. Déjà, tu l'aides beaucoup, hein? Oui. Tu sais ça. Quand même, tu l'aides beaucoup. Oui. Voilà. Déjà, c'est bon. Ça, déjà, aider ta mère, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à réussir, alors. Oui, c'est ça. Ah, faut s'accrocher. Parce que c'est pas facile quand t'as pas dormi, d'aller à l'école, de travailler à l'école, de revenir, tu fais la cuisine. Des fois, tu fais les tâches ménagères. C'est dur. T'as pas beaucoup de temps pour toi. Dans ta journée, est-ce que quand tu fais une journée normale, t'as quelques minutes pour toi? Non. Bon, la prière, est-ce qu'on considère que c'est une minute pour toi? Oui. Voilà. J'aime bien faire la prière. La prière du soir, là? Oui. Voilà. Et sinon, après, t'as pas trop de temps. Le week-end, t'as un peu plus de temps ou c'est pareil? Oui, c'est pareil. Le week-end, si je ne vais pas à l'école, je fais la lessive, je fais l'examinage. Ouais. 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 Donc, t'aides beaucoup maman quand même? Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Et qu'est-ce que t'aimerais qu'elle devienne ta petite fille? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Bah, c'est pas elle de décider. C'est à elle de décider. Oui. Mais t'aimerais qu'elle fasse des études quand même ou bien c'est sûr. Pas grave? Si, bien sûr. Si? Oui. Rien n'aurait pour moi-même. D'accord. Donc tu vas la pousser à ça, quoi. Faire des études pour qu'elle puisse apprendre un métier, se débrouiller. Oui, tout ça. D'accord, ok. Bon, mais c'est bien. Oui. Autre chose, Sadio? Non. Non? Bon. Moi non plus, je crois pas. Merci.